this was the probably the best playoff series I've ever played. It was 50-50. Three games in a shootout. Every game was a one-goal game. Collectivement, sur le fond, on n'a jamais rien lâché. Donc c'est pour ça que ça a fait une série qui était incroyable. C'est qu'on était mal menés. Ils ont été meilleurs que nous, mais on n'a rien lâché. Et on est chaque fois revenu dans les matchs. C'était un vrai ascenseur émotionnel. On s'attendait à une série assez compliquée parce que c'est une très très bonne équipe. Et ça a été une série très compliquée, mais ça a été à la fois, avec un peu de recul maintenant, une série très agréable à jouer. À chaque fois, on avait l'impression qu'une équipe avait pris un peu l'ascendant psychologique et finalement non, ça se renversait de l'autre côté. Ça a été très intense pendant 5 matchs. They were a fun team to play against, and I think of a lot of the teams we played this year, we really respected Briançon and the way they played, and you know, it was a fun series. You know, we had our ups, and you know, we ended on a down, unfortunately. C'était l'année de Briançon aussi. Ils méritent leur qualification. Sinon, on était passé, ça n'aurait pas été un hold-up non plus. On aurait mérité. Je pense que j'ai vraiment bien aimé la mentalité de la série, quoi. C'était accroché, c'était intense, mais c'était deux équipes qui se respectaient. On n'a pas de regrets en tout cas sur la saison et sur les playoffs, donc c'est le principal en fait pour nous. C'est qu'une saison où tu as des regrets, c'est une saison dont tu ne veux pas te rappeler. Alors que celle-ci, bah, même si on n'a pas été plus loin, bah, on aura passé super moments ensemble et on aura fait tout ce qu'on pouvait pour aller plus haut. Voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Ça. Quand on est monté cette année, on a eu l'opportunité, bien sûr, il y a eu des débats par rapport à ça. Ça n'a pas duré 2 jours et on s'est dit on y va, mais on a décidé d'y aller parce qu'on est des compétiteurs et avec John, on s'est dit bon bah. On a la possibilité de jouer le niveau supérieur, il faut y aller. Voilà. Et puis après, ce qu'on voulait, c'est être compétitif. Là, cette saison nous a montré qu'on pouvait être compétitif dans cette ligue et qu'on avait notre place, tout simplement. Pour les gens qui en doutaient, je pense qu'on a montré qu'on avait le niveau de la Division 1, tout simplement. On est promu en Division 1, on finit 4e de la saison régulière, ce qui est déjà complètement inespéré. Je suis pas sûr que ces dernières années, il y ait beaucoup d'équipes, je suis même sûr qu'il n'y en a pas d'ailleurs, d'équipes promues qui arrivent dans le top 4 dès la première année. C'est une année qui restera assez exceptionnelle. Il y a eu un gros travail de fait au niveau du management pour vraiment donner le bon état d'esprit. Donc Luc a été bon à ce niveau-là. Et puis après, on avait la chance d'avoir des bonnes personnes dans cette équipe qui se sont remis en cause eux-mêmes en tant qu'individus et aussi en tant qu'équipe. You know, we grew from that early, and it's better to start poor than end poor. So it was a good learning experience for us. Pour une première saison du Marseille Hockey Club en D1, c'est vraiment une belle saison. Je pense que si on m'avait donné ça comme contrat, j'aurais signé direct, quoi. That's probably the tougher part for me personally. It's just knowing that, you know, I'm not going to see a lot of these guys. You know, maybe. A lot of them never again, you know. So, I mean, hopefully, a lot of the team is intact next year, and you know, and they can keep that because there's a really good, tight group this year. We really got along well. C'est juste l'équipe, c'est le vestiaire, c'est l'atmosphère qu'il y avait dans notre groupe, voilà. C'est ça qui est important au-delà des victoires, des buts, des machins, des trucs dont tu te rappelles. C'est les gars avec qui tu joues et c'est. La partie humaine, quoi, c'est ça qui te manque le plus, je pense, quand tu arrêtes le hockey, c'est d'être avec tes potes et puis faire un truc que t'aimes. C'est surtout au play-off où on se rend compte qu'on est vraiment une famille, qu'il y a un noyau qui est fondé et que c'est là où on a perdu que ça m'a vraiment choqué. C'était pas forcément le fait qu'on ait perdu, c'était surtout le fait qu'on ait séparé. Enfin, que certains allaient partir et que d'autres allaient rester. We were all a little down because we just ended our season last game as a group. I mean, it's sad, but it's just, you know what it is. It's hockey, and that's what you go through every year. Je prenais énormément de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à coacher ces gars-là, et j'avais pas envie que ça s'arrête maintenant. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc, quand ça s'arrête d'un coup, il y a 2-3 minutes, voilà, où tu te dis, bon, ah, ça y est, c'est fini, quoi. Il faut l'accepter, c'est le sport.
It's what I saw at the end. This is how we are. This is who we are. Fucking fight on every puck. We need 20 million guys. We fucking deserve it. Let's fucking show everybody who we are here. We're gonna fight on every puck. Every puck is gonna be behind their D. We fucking go, we eat them. I don't give a shit if we take 2 minutes. We're gonna fight on PK. Okay, boys? Je pense que ce que cette équipe dégage cette année, c'est des valeurs qui touchent les gens. C'est-à-dire des valeurs d'équipe, une équipe qui ne lâche jamais rien, qui donne tout pour le maillot. Ces valeurs-là que les gens, les spectateurs et notamment les Marseillais aiment voir. Ce qu'ils veulent les gens, c'est au-delà des résultats, c'est une équipe justement comme on avait cette année. C'est une équipe qui se bat et qui mouille le maillot pour aller le plus haut possible. On voit qu'en ayant des bons résultats et en bossant, le hockey à Marseille, ça a sa place. Ça a sa place tout simplement. Les gens prennent du plaisir à venir au match parce que c'est pas uniquement un match de hockey. Oui, c'est un match de hockey, mais après il y a tout un show autour. On essaie de créer un spectacle un peu plus complet que juste le match. There's differences and similarities when you're thinking about playing here versus playing back in the States. But I find that the fans here are very passionate. They may not be as familiar with the ins and outs of hockey as maybe, you know, an American or Canadian hockey fan. But I think as the sport grows in Marseille, that the knowledge will grow as well and along with the fan base. So it was great to see this year. The first game I played here, I think we had a few thousand fans there, but like last game, this last few games, 3,500 over. It's crazy to see, like, in a few months it can happen that fast, and I know it's gonna be big in the next few years. Quand on voit 3,000 personnes qui suivent le hockey, c'est déjà énorme. C'est un miracle. Enfin, pour moi, c'est juste magnifique. Myself, growing up, I was watching, you know, junior hockey games or college games or pro games. And it raises the excitement level, not just for the fans, but for the young fans who, you know, might still play and, you know, one day might end up playing for the Spartans. I mean, it's when I remember when I was a kid like that, looking up to players who played pro in my hometown team, and now they're looking up to us, and it's a pretty good feeling, you know, help them, have fun with them. And it's the next generation of hockey, so. Moi, ça me fait plaisir de voir que les gamins s'impliquent aussi de plus en plus et suivent de plus en plus l'équipe première. On sent quand même qu'il y a une cohésion, que ce soit hockey mineur et équipe première, cette année qui était évidente. Et ça, c'est excellent. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Le soir où il y a eu cette soirée signature des palais dans le vestiaire des joueurs, c'était une attention particulière des joueurs de la D1 vers les enfants, comme le fameux soir où ils sont venus à la fin de l'entraînement des plus jeunes le vendredi. Alors, une fois passé l'effet de surprise, je pense que les enfants, ils repartent avec des étoiles plein les yeux, quoi. C'est ça qui va les amener à être hockeyeurs de maintenant. Je pense que s'il y avait des figures Panini, MHCA, elles auraient autant de succès que celles des grands clubs canadiens. Là, cette année, vraiment, il y a eu un impact très, très important. T'as qu'à voir les soirs de match. Les soirs de match, t'as toute une zone qui est envahie par les jeunes spartiates derrière les buts, là. Les soirées où tu fais rentrer les enfants avant l'équipe première, ça crée une dynamique et ça crée toute une histoire de club. Je pense qu'un club, il peut pas exister s'il n'y a que des pros, et il ne peut pas exister non plus s'il n'y a pas une vitrine pour les plus jeunes qui vont être tirés vers le haut. Les deux dernières années ont été effectivement importantes pour l'évolution du club, mais avant ça, il y avait eu des choses qui avaient été faites par les gens qui ont travaillé pour ce club avant. Certaines personnes qui sont encore ici d'ailleurs, je pense à Luc Tardif, le coach, qui est arrivé en 2014 et qui a fait un énorme travail au niveau de la structuration du hockey mineur, du travail qui est fait avec les jeunes. Donc il y avait quand même une belle base. Après, c'est sûr qu'il y avait une base, mais il y avait aussi, et il y a encore un énorme potentiel ici. Ça peut être que valorisant et motivant et pour les jeunes qui rentrent dans de la MHCA, de voir qu'on peut accéder, tout en étant un petit spartiate, à l'équipe des grands spartiates. Donc ça, c'est quand même formidable. Cette année, en plus, on vient de conclure là un accord avec un collège
pour faire monter une section horaire aménagée l'année prochaine. C'est une grande expérience, ces horaires aménagés. Ça n'existait pas à Marseille. Dans notre club, ça n'existe pas non plus. John et Luc, qui sont des pros qui ont vécu dans plusieurs clubs, disent clairement ce qu'on fait à la rentrée, c'est très exceptionnel. Donc ce groupe-là, l'objectif, c'est bien sûr qu'ils progressent, mais c'est aussi de capitaliser pour l'avenir et qu'ils ne partent pas dans d'autres clubs trop tôt. Je passe par là et j'espère... J'espère juste un truc, c'est qu'il y ait le maximum de ces jeunes qui finissent dans l'équipe senior. Avant les playoffs, j'avais fait une espèce de petite vidéo pour les joueurs, c'était un peu surprise, où c'était des intervenants, des bénévoles, des gens qui sont proches ou non de l'équipe, mais qui aident l'équipe sur toute l'année, parce que c'était important pour moi qu'ils comprennent que souvent, ils sont un peu dans une bulle. Voilà, il y a les gens qui sont autour du staff, on est là, on s'entraîne, etc. Mais avec tout ce qui se passe autour, tous les gens, tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour ce club, ça, c'était important pour moi qu'ils le sachent, qu'ils mettent un visage sur certaines personnes, parce qu'il y a certains joueurs, par exemple, qui ne connaissent pas le président du hockey mineur, Gilles Gonnard, et c'était important que chacune de ces personnes-là ait un message pour le groupe. Et puis, oui, effectivement, après, il y a la vidéo avec les gamins à la fin, je trouvais ça sympa de faire ça, c'était un clin d'œil. Rentrer dans ce secteur-là, quand tu ne connais pas, c'est plus qu'une aventure, j'imagine. Là, on a des guides quand même. John et Luc qui connaissent le hockey. Tu as des garanties et ça crée un ensemble qui fonctionne bien, quoi. Quand on y pense, c'est fou parce que tu te dis, et ça, c'est pas moi, c'est vraiment l'équipe du c'est Julie, c'est les gens qui croient dans ce projet, qui arrivent à rassembler et à convaincre et à aller chercher autant de personnes qui vont passer leur samedi soir pour faire des tâches qui ne sont pas toujours faciles, qui viennent aider à l'organisation du match. Donc souvent, ils ne voient pas le match et ils donnent de leur temps pour que les matchs puissent avoir lieu. Donc c'est, je le répète dès que je peux le répéter, c'est fabuleux. Et pour que ces gens-là le fassent, il faut que ce soit un plaisir. Tous, sans cet ensemble-là, tu ne fais pas un club. Tout seul, tu ne peux rien faire. Et les soirs de match, c'est pareil. Tout seul, tu ne peux rien faire. Être capable de fédérer entre 60 et 100 bénévoles chaque soir, c'est phénoménal. Mais tu sens qu'il y a vraiment une emprise dans ce club qui s'est joué cette année. J'espère qu'on va trouver les bonnes recettes pour le continuer. Hein. Cette ambiance-là, parce que c'est quand même formidable. Quoi. Après, sur la partie D1, que ce soit pour des partenaires privés ou les institutionnels, l'idée était de leur montrer qu'il y avait des gens dynamiques dans ce club et qu'on travaillait de manière saine et avec la volonté de développer une discipline sans intérêt personnel, vraiment juste pour cette foi qu'on a pour notre sport et de montrer. Je pense qu'il fallait fédérer en interne les gens et leur donner envie de rentrer dans ce projet et pour intéresser les gens extérieurs et leur montrer qu'il se passait quelque chose ici. Je pense effectivement aussi qu'il y a la communication qui a progressé, notamment sur le digital, où on avait une petite équipe avec Benjamin et Steven, accompagnés de Nico, qui ont fait un super travail sur les réseaux sociaux, des partenaires comme Extérieur Média, comme FBR, qui avaient apporté du contenu, qui ont été relayés sur les réseaux sociaux, qui le contenu est très important et il a fait la différence, il a attiré l'attention de personnes extérieures. On avait de l'affichage avec Extérion, on avait le partenariat avec Radio Star, la Provence qui nous suit beaucoup. Donc tous ces facteurs, ces leviers de communication ont aussi contribué sur la base des résultats sportifs et des valeurs que notre sport et notre équipe dégageaient, bah de permettre de passer ce cap et de faire en sorte que de plus en plus de Marseillais soient intéressés à nous. Je crois, sans me tromper, qu'on a réalisé la quatrième plus grosse affluence moyenne de la saison, toutes divisions confondues. Donc, c'est-à-dire devant plus de la moitié des clubs de Ligue Magnus. Donc, c'est assez incroyable pour un club de division 1. Ce qu'on suscite à l'extérieur n'est pas forcément la réalité. Il y a des gens qui voient, parce qu'on a une grosse patinoire, il y a du monde, etc., pensent que ça y est, tu vois, ça va vite, ça y est, Marseille va être en Magnus, etc. Mais pas du tout, nous on n'est pas du tout dans cet esprit. Nous on a envie de créer quelque chose ici de stable. On veut nous améliorer dans certains secteurs organisationnels, on veut continuer à progresser au niveau
de l'organisation autour de la glace, autour du sport, notamment en essayant de travailler l'économie du club. Et pour travailler l'économie du club, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut continuer à optimiser les ressources financières liées à la division 1. Tout le monde est un peu au courant que le projet marseillais est assez ambitieux, mais qu'en même temps, avec une patinoire comme ça, un bassin de population assez énorme, et puis là, voilà, c'est la ville de Marseille, donc ça rayonne un peu partout en France, donc je pense que ça fait de plus en plus de bruit. L'année prochaine, c'est se stabiliser dans cette division, stabiliser les résultats, essayer de faire mieux, bien sûr. Quand on commence une saison, on essaie de faire toujours mieux que la saison d'avant, mais sans se mettre de pression pour la montée. Ça va paraître prétentieux, mais j'espère que le club de Marseille va devenir une des plus grosses écuries, une des plus grosses places du hockey français d'ici là. On a tous les ingrédients pour y arriver. Tout le monde y croit beaucoup, que ce soit les bénévoles, les sponsors, les institutions. Donc on a toutes les clés en main pour y arriver. Dans 10 ans, ce sera le cas. On aura gagné la Ligue Magnus dans 10 ans. J'espère.